Oups, pardon, je n'avais pas envie de vous la remettre dans la tête. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Vous le savez sûrement, mais il existe de nombreux bugs et glitches à réaliser dans l'univers de Pokémon. Certains sont plutôt fun et d'autres peuvent être dangereux jusqu'à effacer votre sauvegarde. Et comme d'habitude, je vous réserve un petit abonnement de Nintendo Switch Online que je réserve pour mes abonnés. Et voici les résultats du dernier concours. Donc félicitations à toi, n'hésite pas à me contacter sur cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux. Bref, aujourd'hui nous allons voir les 5 pires bugs et glitches dans l'univers Pokémon. Le bug de la ligue Pokémon. Nous allons nous diriger vers la 4ème génération dans Diamant, Perle et Platine et il vous faudra une cartouche japonaise du jeu car il a été patché sur les autres versions. Alors, pour ceux qui ont cette version, dirigez-vous vers la première salle de la ligue Pokémon où vous devez affronter le membre du conseil 4 ayant des Pokémon de type insecte. Mettez-vous devant la porte et utilisez un Pokémon ayant la capacité surf. Ainsi, vous pourrez sortir de la map du jeu et pourquoi pas réaliser le bug du Twiggin Trick afin de combattre les Pokémon événements Darkrai, Arceus ou Shaymin. Sortir de la map sur épée et bouclier. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur le pire bug de Pokémon épée et bouclier, eh bien je vous conseille d'aller la voir pour plus de détails. Alors pour sortir de la map, c'est assez simple, hein. Il suffisait de vous mettre devant cet arbre, d'avoir votre bicyclette et de réaliser un petit combat contre un Pokémon. Juste après ce combat, vous pouviez passer à travers l'arbre, vous mettre derrière et passer derrière la map. Qui était assez insane puisque vous aviez la possibilité de vous balader un peu partout. Et pourquoi pas même voler. Si vous avez joué à Pokémon Émeraude et que vous êtes un petit peu renseigné, vous connaissez sûrement le bug de la Begrona. Il est dit qu'il est possible de faire combattre un Pokémon KO. Bon, malheureusement, faut pas rêver, vous serez hors jeu dès le premier tour. Mais pas que, vous pouvez même faire combattre un œuf. Il suffit donc de faire combattre un Pokémon ayant un PV, de le faire tomber à zéro avec la Begrona, puis d'échanger sa place avec le Pokémon KO, ou pourquoi pas l'œuf, afin de lancer un combat plus ou moins buggé. Sans plus attendre, nous allons continuer sur la méthode de clonage, qui était assez particulière dans Pokémon Émeraude, où il fallait réaliser un tas de mécaniques afin de pouvoir obtenir votre Pokémon buggé, mais c'était plutôt simple et pratique, puisque vous n'aviez besoin que d'une seule console. Mais en revanche, sur les autres versions, eh bien ce bug se présente d'une autre façon. Alors bien entendu, il est possible de le faire en online, mais je vous conseille plus en local, car vous aurez plus de chances que cette méthode fonctionne. On va prendre cet exemple sur les versions de X et Y. Vous aurez donc besoin de deux consoles et deux cartouches bien entendu du jeu. Sur votre première console, envoyez le Pokémon tout nul que vous avez envie de sacrifier à votre partenaire. Et quand cet écran va apparaître, vous compterez jusqu'à 3 et vous devrez éteindre votre console. Et si vous avez réussi, eh bien vos Pokémon seront clonés. Pour finir, nous allons retourner sur nos vieilles cartouches de la première génération. Et je vais vous montrer qu'il est possible de rencontrer des Pokémon avec un niveau supérieur à 100. Et je pense que vous connaissez tous le bug de Missigno, où il faut avoir un certain nom sur votre carte de dresseur afin de pouvoir le rencontrer. Et là, pour des Pokémon de plus de level 100, eh bien c'est le même principe. Il faudra avoir un nom qui sera en cohérence avec les données du jeu. Je vous mettrai une petite liste dans la description. Et si vous avez réussi, vous aurez la possibilité de rencontrer des Mewtwo level 250 ou d'autres Pokémon plus ou moins cheatés. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo concernant les 5 glitches et bugs dans Pokémon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un big pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Pensez à vous abonner et à partager si le contenu vous plaît. Et puis bah moi sinon je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Pokémon. C'est Electro, prenez soin de vous et ciao ciao.